Yo les gars, c'est Yami et on vient découvrir aujourd'hui Dying the Dungeon Origins. Alors, Dying the Dungeon, c'est un jeu dont j'avais pu tester la démo il y a plusieurs mois maintenant. Je me demande même si c'était pas en fin 2022. C'est un roguelike deck builder avec des dés. Et à l'époque, c'était déjà très très bien. Entre-temps, le studio a trouvé un publisher. Et ils ont décidé de faire un prologue. Du coup, ça s'appelle Dying the Dungeon Origins. Le jeu devrait sortir en 2024. Le prologue est disponible sur Steam maintenant. Vous pouvez y jouer, tester la démo vous-même. On va découvrir ça ensemble. C'est parti! Alors, bienvenue dans Dying the Dungeon. Nous conseillons de suivre le didacticiel pour comprendre les bases avant de jouer. Allez, c'est parti. Vous avez oublié votre entraînement? Bon, je dois pouvoir. Attendez, c'est un honneur, chef. Ah, voilà. Il a du respect, notre ami, là. Vous voulez un petit rappel? C'est comme si c'était fait. Tout d'abord, placez les dés de votre pioche dans votre main. Ok, donc ça c'est notre main faite de dés. Bien, maintenant prenez vos dés et placez-les sur le plateau pour les utiliser. Donc on a un dé, on pose, hop. Vous voyez, chaque couleur représente une action de combat différente. Les actions de base sont l'attaque, le blocage et le soin. Donc les dés rouges, ce sont des attaques. Les dés bleus, ce sont du shield ou du blocage. Et les dés verts, c'est du heal. Passez le pointeur sur les dés pour avoir des informations. Essayez avec celui-ci là-bas. Donc, dés de soins. Rend 2 PV au joueur. Nanana. Propriété vert. Utilisable une seule fois par combat. Ok. Et on a toutes les faces du dé. Donc, ce ne sont pas des D6 classiques. On peut voir que le dé a bien 6 faces, mais il a 2, 1, 2, 2 et 2, 3. Ça, c'est le type de dé. Le type, indique l'action que le dé effectue, ok, c'est du soin, ici on a les faces. Et enfin, certains dés ont des propriétés, ok. À ces théories, placez plutôt quelques dés sur le plateau. Ok. Donc là on voit qu'il va nous attaquer pour deux. On voit ici qu'on a de l'énergie. Utilisée pour placer des dés sur le plateau. Donc on a 3 d'énergie au total. Et on sait que notre main peut avoir 6 dés au total. Bim. Vous êtes à court de points d'énergie, ouais, c'est bien ça. Autrement dit, vous ne pouvez plus placer de dés sur le plateau. Les points d'énergie sous votre main indiquent le nombre de dés utilisables par tour. Replacez les dés dans votre main pour regagner des points d'énergie. On peut cliquer droit sur les dés pour les mettre dans notre main. Pour à savoir. Placez les dés que vous voulez et appuyez sur terminer. Bim. Ça, pardon, j'avais oublié de vous prévenir, les ennemis agissent après vous. Okay. Vous pouvez consulter les icônes autour des PV d'un ennemi pour connaître son intention. Classique. Façon Slay the Spire. Cette icône des PV indique que l'ennemi compte attaquer, infliger 2 dégâts. Il y a d'autres icônes, blocage, soin, etc. Ok. Alors, on a des nouveaux dés. Les dés violets. Ce sont les dés de boost. Ils peuvent renforcer les autres dés. Prenez-en un, placez-le sur le plateau pour voir. Tac. Ajoute plus 2 à la valeur de tout dé à 2 cases de distance. D'accord. Vous avez remarqué, les dés de boost ciblent certaines cases du plateau. La valeur d'un dé de boost indique la distance des cases qu'il renforce. Cette même valeur ajoutée aux dés cibles. Si vous placez vos dés dans les indicateurs violets, seront renforcés. Donc, si je veux faire 2 d'attaque, non, là je vais attaquer pour 3 du coup, comme ça. Vous voyez que la valeur totale à droite sous le dé vient d'augmenter, yes. Associer les dés de cette façon, c'est la clé du succès, ok. Il est temps d'en finir, vous voyez ce que je vois. Avec la bonne combinaison, vous pouvez éliminer
cet ennemi d'un coup d'un seul. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est plutôt... Est-ce que ça marche de faire ça? Parce que ici, ok, en fait ce qu'il faut c'est trouver comment on va faire en sorte d'avoir des cases à plus 4. Voilà. Tac. Et ici on va faire 5 avec notre DA1. Cette mécanique est vraiment très intéressante. Je me rappelle que j'avais trouvé ça génial. Il y a deux types de dés, je crois, derrière. Donc il y a pas mal de trucs qui vont se passer dans le jeu. Et surtout, les ennemis vont faire des trucs intéressants également. Alors, notre ami va nous attaquer pour 3. D'ailleurs, on n'a pas de propriété particulière, on va pas perdre le dé ou quoi ici. On peut juste le jouer. On va bloquer l'intégralité. On va attaquer. Ok. On attaque en premier, donc ici on a le létal. Hop là, c'est parti. Alors, on peut gagner un dé ou défausser un dé. On va gagner un dé. Des miroirs. Copie le dé à 6 cases de distance, d'accord. Il est en vert, donc on peut l'utiliser une fois. Des prismes. S'il est visé, étend les effets du ciblage à ses propres cibles. Ah, ok, je sais pas ce que ça veut dire. Et un dé de boost avec que des faces. 4 faces à 2 et 2 faces à 3. J'aurais aimé pouvoir voir mon deck. Ok, voilà mon deck. C'est globalement un meilleur dé de boost que celui que j'ai pour l'instant. On va le prendre. Tac. Alors, on prend 3 dégâts totaux. On va faire ça. Bloquer. Et... En vrai, non, on va pas faire ça. On va tuer notre ami au top et prendre un dégât. Ici, on va booster ses cases. Bloquer. Et ce heal. Parfait. Et repasser full life. Et j'ai 6 dans la main. Parfait. Des PV max ou on gagne un dé. On va prendre les PV. Alors, c'est votre premier événement, pas de souci, je vais tout vous expliquer. Les événements proposent un choix d'options avec un jet de dés qui détermine votre réussite. Voyons les options disponibles. Chercher des objets de valeur, chercher des dés, chercher des survivants. Pour choisir une option, remplissez ces cases de dés correspondants. Consultez celle-ci histoire de. Déposer un dé de blocage. Passez le pointeur sur une case pour identifier vos dés correspondants. À chaque case, ses conditions. D'accord, donc là c'est n'importe quel dé, ou bien c'est coloré, tu dois poser le dé qui va bien. Case peut imposer un type de dé, une propriété, ou rien du tout. Vous dites peut-être comment savoir quelle option choisir? Facile, passez le pointeur dessus. D'accord.
Vérifie le résultat potentiel, réussite et échec, mais de quoi dépend ce résultat? Eh bien, pour y répondre, commencez par remplir ces cases. Glissez les dés de votre deck dans les cases de cette option. Ok. Tac. Et un random dé. Parfait, nous sommes prêts à sélectionner l'option, mais il manque quelque chose. Vous voyez ce chiffre jaune, c'est le degré de difficulté de cet événement. 3 plus. Donc, quand vous choisissez une option, les dés placés sont lancés. Si le jet total atteint le DD, c'est gagné. Cliquez sur cette option, regardez les dés qui roulent. D'accord, donc faut qu'on fasse 3 ou plus. Choisissez entre 3 reliques ordinaires. Ok, votre jet total est supérieur au DD, vous pouvez donc obtenir votre prime. Nickel. Ils ont visiblement laissé quelques objets précieux. Bla bla bla, ok. Le concept des événements est sympa. Tu veux aussi roll TD, c'est assez sympathique. Chercher des survivants. Donc ça nous fait regagner 10 PV. Dans tous les cas, si on fail l'événement, on lance un fight. Ici on a une relique et ici on a un dé argent. Si le jet total est 3 ou plus, d'accord. On va faire ça et en fait vu que vous connaissez la valeur de vos faces, vous pouvez plus ou moins garantir le fait d'avoir ce qu'il faut quoi. Parce que ici je sais que j'ai minimum 2. La plus petite face sur mon dé de boost ici c'est 2. Donc c'est impossible que j'ai moins de 3. Y a moyen de minimiser la RNG du coup. Vous pouvez continuer tout seul, n'oubliez pas, cliquez moi si vous avez besoin d'aide. Ok, parfait. Montrez-moi les reliques. La pièce pipe est plus 1 à tous les dés au tour impair, moins 1 au tour pair. Non. Les exécutions précises vous rendent 2 PV. Qu'est-ce que c'est? Tue un ennemi en lui infligeant pile autant de dégâts qu'il lui reste de PV. Ok. Quand vous subissez des dégâts non bloqués, vous renvoyez 2 dégâts. Ça m'intéresse. Ok, alors. Il nous dit le 4 de dégâts. Et on va faire 10. Très bien, on a 10 dans la main. C'est parfait. On va prendre les PV max encore une fois. Oh là, doucement, cet ennemi est spécial. Hein. Il va nous poser un truc. Vous voyez cette icône? Les icônes de ce type indiquent que l'ennemi dispose d'un modifier. Alors, infestation réduit de 1 la valeur du dé placé dans cette case. Donc en fait, il va infecter notre plateau. Modificateur patience en début de tour, l'ennemi infecte une case aléatoire du plateau. Ouais, c'est ça. Quand vous rencontrez un nouvel ennemi, passez le pointeur dessus. Classique. Ok. Réduit de 1 la valeur du dé placé dans cette case. L'infestation s'étend au tour suivant si aucun dé ne la recouvre. Donc faut aller le target quoi. Donc on va faire c'est ça. Et deal 4. Il fait ça tous les tours, hein, notre ami là. Est-ce que j'ai moyen de faire un truc Est-ce que j'ai moyen de faire un truc? Là, j'ai 5 dans la main. Ouais, je lui fais 9, je prends 3 de dégâts. C'est
c'était pas ultra grave. Améliorer 2 dés au tir argent. Je peux prendre 2 dés là. Et allez, on va prendre un dé de shield. Faut que je vois l'impact sur les faces là. À quel point ça les a fait upgrade en fait. Alors, 2, 3, 3, 3, 4, 4, ouais, il est vraiment mieux. Parce que l'autre, il a 2 faces à 1, 3 faces à 2, et 4 faces à 2, ok. Donc il est notablement meilleur. Pareil pour mon dé d'attaque. Ok, donc le rang est important. Alors... Modificateur savoureux, à sa mort donne plus 2 de blocage au joueur. Ok. Donc j'ai plus 2 de blocage si je le tue. On va commencer par faire ça. Aller tuer notre ami ici. Ce qui va nous donner 2 de blocage. Il nous reste 3 à bloquer. Ça, on est bien. Toujours 5 à bloquer. Comment on va faire ça? 7. En fait, soit je deal. Ouais, mais il faut que je prenne que 3. Est-ce qu'il y a un meilleur, il y a un meilleur outcome? Je peux prendre un de dégâts. Infliger 7. Ok. Attendez. On va pas jouer ça comme ça. On va pas jouer ça comme ça. On va faire ça. On va faire ça. Je vais attaquer le frérot ici et on va faire ça. Du coup, je prends 2 dégâts. Si je prends 2 dégâts, il fait 5. Ouais, je pense que ça va être pas mal comme ça. Il m'attaque après en plus, donc il prend. Il a pris 2. Je vais pouvoir me heal. Max de PV, c'est 26. Sympa, il suffit d'over sur mes HP pour voir le max. Comment on va faire? Ici, j'attaque le frérot. On va faire ça comme ça. J'ai pas utilisé le heal parce que. Parce qu'en fait, les heals ont. Je peux utiliser les heals une seule fois par fight. Donc, il vaut mieux que je maximise leur value à chaque fois. On va faire ça. Shield entièrement les dégâts. Ensuite,
5. Je me shield 5. Voilà. Et là, on va tuer tout simplement. Parfait. Faisons une relique. Remontant, vous gagnez plus 1 d'énergie au premier tour. Pas mal. Ou plus 6 PV max. Plus 1 d'énergie au premier tour, j'aime bien. Alors, vous entendez un faible appel à l'aide. En arrivant sur les lieux, vous apercevez un soldat mourant qui vous supplie de lui donner de l'eau. Cherchez de l'eau aux alentours pour choisir entre deux reliques ordinaires. Essayez de le soigner pour choisir entre deux reliques insolites. Il faut faire 5 ou plus. Il faut deux dés verts, ce que je n'ai pas. Ou l'achever. Si je fais 5 ou plus, j'ai une prime de combat. Alors, je vais aller chercher la relique, je pense. Et pour ça, on va poser nos 2 dés d'argent qui sont plutôt... chargé, hein. Ah, c'est un seul dé. C'est un seul dé, il faut faire 5 ou plus. Attends. Le jet total de cette case sera multiplié par 2. Ok, ok, c'est fine. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme relique? Les exécutions précises vous rendent 2 PV, ou si vous utilisez 3 types de dés différents ou plus, piochez plus 1 dé au prochain tour. Ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. On a peut-être dû prendre le heal, je le prendrai après, je l'ai déjà vu passer 2 fois. Alors, lui c'est le frérot qui nous donne 2 de shield quand on le tue. Et il y a 6, 7 à bloquer. Parfait, on n'a pas de quoi shield anyway. Ok. Ben, du coup, on va tuer. Tac. Parfait. Et on va se heal en tuant ce frérot. On est revenu à nos PV max et on peut juste tuer. Ok. Gagner un dé des fossins, on va gagner un dé. Des prismes standards, si les visées étant les effets du ciblage à ses propres cibles. Je comprends pas ce que ça fait. Ça m'intrigue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Modificateur de présence. Tant qu'il est en vie, il garde un dé sur le plateau. Donc maintenant, on a un slot bloqué plus l'infestation. D'accord. 5 total à bloquer. Ok. Tac. Si je fais ça, il devient plus 4. Et je peux quand même shield pour 5 ici. Ok. Alors ce dé, qu'est-ce qu'il fait en fait? S'il est visé, étant les effets du ciblage à ses propres cibles. Je comprends absolument pas ce que ça veut dire. La traduction est catastrophique, les amis. Ouais, je comprends rien en fait. Les visées étant l'effet du ciblage.
Ok, je crois avoir compris. Donc, disons. Ok. Disons. J'ai mon dé bonus là, le 1-1. Si je joue ce dé, l'effet du ciblage est répercuté sur les autres cases qui seront ciblées par ce dé. Je ne sais pas si c'est clair pour vous quand je l'explique, mais on va avoir des meilleurs exemples sous peu. J'ai capté ce qu'ils veulent faire. La traduction est catastrophique, mais en fait, c'est la meilleure qu'il pouvait donner, je pense. Ok. Déjà, on va tuer notre pote là. C'est dommage de ne pas pouvoir faire mieux que ça. Deal 7. En fait, on va faire ça. On va prendre 6 dégâts. C'est beaucoup, mais c'est pas très grave. Ok, ça va être plus intéressant. Si je fais ça et que je fais ça, voilà, vous voyez, ici en fait mon plus 3 il target une seule case, celle-ci. Je joue mon dé prisme et le dé prisme qui est donc de 1, il va réfléchir l'effet qui le target lui sur toutes les cases qu'il target. Donc toutes les cases qui sont à 1 dé de distance de lui-même. C'est très fort. Ouais, juste c'est très fort. C'est tout ce que je peux dire. C'est extrêmement fort. Va faire ça. Ensuite, ouais. On va faire ça. 6. Puis on va de heal et deal 5. Propriété lourd à 1 dé. Lourd, c'est quoi? Reste sur le plateau en baissant de valeur pendant X tours. Ça, c'est très fort. On va donner ça à un de nos buffs, je pense. Ouais, je pense que c'est pas mal. Il va y avoir un peu de mind game à faire sur le positionnement de notre dé, là. Alors. Indique lui son truc, c'est qu'il reste sur le plateau. Il vient nous embêter sur le plateau. Ah ouais, attendez, ça c'est ultra fort. Pour le coup. Ici on dit le 6. En fait, on peut pas attaquer plusieurs targets en tant que j'y pense. Peut pas attaquer plusieurs targets dans le jeu. Là, j'utilise 1 milliard de trucs, mais est-ce que c'est worth it? Oui, c'est worth it. C'est worth it. Je vais tuer notre frérot. Et je bloque tout le reste. Très bien. Et en plus, je pioche un dé supplémentaire. On va faire ça. Ici, j'ai 5 et 4. Faut que je me heal.
absolument que je me heal. C'est pas grave. Enfin, il faut pas que je prenne trop de dégâts surtout. Donc si je fais ce qu'il faut pour le tuer lui, je vais prendre 5, je vais descendre à 19. Ouais, ça va, c'est pas dramatique. Alors que je peux lui deal 9, ouais non, je vais faire ça, c'est pas grave. Next turn, je peux me heal. Donc, si je fais ça, peux faire ça et je peux heal. Ouais. Mon dé de buff là, il va rester sur le terrain. Passe à 2 et du coup il va buffer toutes ses cases. C'est pour ça que je l'avais positionné ici. Donc maintenant, je peux juste faire un gros tour d'attaque. Ou bien faire. Est-ce que je peux target un... Là, je passe à plus 3 partout là. Ce qui me fait faire 6. Ah, est-ce que c'est ça que je veux? Ou est-ce que je veux pas juste faire 8 et tout bloquer? Ça m'a l'air mieux. Ça m'a l'air mieux, effectivement. 28. On fait ça. Tac, et on a les létales. On a les létales damage. Améliorer 2D au tir argent. Yes. Alors, on va améliorer 2D. Et on va améliorer. Notre heal ou notre shield, notre dé d'attaque, hein. On va grid tout simplement. Alors, un nouveau monstre. Résistance, cet ennemi ne peut être tué que par exécution précise. D'accord. Faut lui deal 7 absolument. Et lui juste il est tanké. D'accord. Ben, ça tombe bien, déjà on a 8 dans la main, donc ça marche pas. On va attaquer ce frérot, on gagne 2 de shield. Et j'ai quoi? J'ai 10 à tanker. Donc dans la main j'ai 5 de shield et 2 7, donc je vais prendre 3 dégâts. Pas de problème. Tout ce qu'il faut. Je vais garder mon dé. C'est dommage de garder son dé là. Mais ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien de faire autre chose en fait, malheureusement. C'est lui qui prend en premier, ça c'est bien. C'est lui que je vais attaquer. Tac. Et ça, je l'attaque lui et... Et en fait, je suis obligé de manger. Je suis obligé de manger, j'ai rien d'autre à faire en fait. Je vais devoir prendre les 5 de dégâts. Tac. Ok, le positionnement il est ici, lui il va se shield pour 2.
profite pour ce heal. On va faire ça. Non. On va faire ça. On va attaquer. Et tuer. Bon, pas tuer. Il lui reste 4. Bim. Les a. Il est mort. Ok. Est-ce que je veux défausser un dé? Pas vraiment. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que je veux gagner un meilleur dé peut-être. Dé d'attaque creux or. Ok. Oh, le dé boost là, il est énervé. De phase 4, de phase 5, de phase 6. Dé de terrain, qu'est-ce que c'est? Laisse un boost de plus 6 sur la case où il est placé. What? C'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Sachant que au premier tour on peut poser un dé un peu pour rien, tu vois. Et le combo entre le prisme et le dé d'or là, qu'est-ce que ça va être? Alors, une mouche ex là, plutôt dangereux. Total il y a quoi? 4, 6 et un 7. J'ai pas de quoi bloquer 7 de dégâts, c'est parfait, ça commence très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas besoin de faire ça. Je vais bloquer le plus possible. Et lui, il faut que j'aille le tuer parce que... Parce qu'il fait le plus de dégâts, a priori. Ok. Il fait clairement le plus de dégâts, j'ai bien fait. Laisse un boost de plus 6 sur la case où il est placé. Et c'est incroyable ce truc. Hein. C'est pas possible. J'y crois pas en fait que ça va faire ça. A priori ça va faire ça. Donc on va tuer notre ami. On va tanker 2. C'est pas grave. Et donc là on a un boost de plus 6 maintenant. Cette case elle fait tout le temps ça maintenant. Donc si je viens ici. Oh là 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 là. Ou si je fais ça, non, ça marche pas. C'est incroyable les gars. Sauf que pour l'instant ça nous sert pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste jouer ce dé. On va faire les mecs pour vider un peu notre main. On va faire ça. Tac. Ok, tous les tours on perd 1. Ok. Ils ont réfléchi, c'est pas non plus totalement n'importe quoi. Donc on va attaquer notre frérot ici. On va se heal de 7. Ça reste fort, hein, ça reste fort, mais c'est pas totalement stupide quoi. Par contre si je suis capable de target ça, on arrive à plus 6. Tac. Et là on a les dégâts. Oh, des belles synergies possibles avec les dés quand même. Les dés avec la propriété lourd ne diminuent pas s'il vous reste de l'énergie à la fin du tour. Intéressant. Piochez plus 1 dé lors des tours impairs. Ça m'intéresse. Même si j'ai qu'un dé avec la propriété lourd, c'est plutôt cool.
Ok. Alors, il y a 11 de dégâts qui m'arrivent à la tête là. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Va commencer par faire ça. Il 6, tue notre ami ici. Et on doit prendre. On va prendre 8. Et moi je suis un peu lent là. Il nous reste 2. Si j'utilise pas, donc si je garde un de d'énergie, je vais pas perdre. Enfin mon dé avec lourd là va rester à 2. Ce qui m'intéresse. Et là, je vais avoir un buff sur le terrain qui sera à 8. Ok. Donc je vais pouvoir me heal de manière assez vénère au prochain tour. Et là, j'ai plus 10 du coup. Waouh, mais. Les synergies sont incroyables en fait. Les synergies sont incroyables. Là, j'attaque à 13. Et je bloque. Ouais, les synergies sont énervées, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux tuer comme ça. Ou je peux profiter de la situation pour revenir full life. Que je vais faire? Bloquer 4 et deal 5. Quasiment à nos max HP. Hop là. Améliorer 2 dés au tir argent. On prend, mon ami, on prend. Le dé prisme, ça c'est très bien au tir argent. Et ensuite on va améliorer. On va améliorer notre dé de shield là. Il faut qu'il soit. Notre dé de heal, pardon. Histoire de nous mettre un peu mieux. Nouvel ennemi, sosie. Les actes de cet ennemi dépendent de votre choix de dé à ce tour. Ok. Alors comment ça va s'exprimer? Si je shield, il se shield. Et si je fais plusieurs trucs? Ah d'accord, il fait toutes mes attaques. Il fait exactement ce que je fais. Ok. Coup de base, j'ai 8. Et lui, il faut que je le tue de manière précise. On va d'abord s'occuper de notre frérot ici. Ouais, ça marche pas. On va faire ça. Attaquer le man ici. Et ce shield. Ce shield de 4, ce shield de 4. J'attaque pour 6. Ouais, c'est le mieux qu'on puisse faire ce tour-ci. Position, c'est ici ou ici. Je veux refaire le combo. Il nous embête vraiment là, lui. Il embête vraiment.
Donc là, je mange dégâts qui est énorme. On va pas faire ça. On va plutôt ce shield. Le 4. Essayer de faire mieux que ça. Ok. Ça, c'est pas mal. Comment je vais faire pour faire 6? Non, merde, là, lui. C'est pas très grave. On va attaquer ici pour en 12. On va faire ça. On va attaquer ici pour 15. On va se shield. Pour 14. Pas de problème. Ok. 4 et 2, 6. Le compte est bon. Et on se heal de 10. Parfait. Propriété éclair à un dé. L'action a lieu juste après avoir placé les dés sur le plateau. Ok, on veut ça sur le dé or. Instantanément. Je savais déjà où je voulais aller. Il n'y avait pas d'histoire, les gars. Trancher l'étoile. Alors, en traversant le donjon, vous remarquez que vos pieds collent au sol. Des pestoles d'araignées vous bloquent le passage. Si le jet est de 7 ou plus, aucune prime ou un maléfice, d'accord. Donc si on réussit, c'est juste pour pouvoir réussir, quoi. C'est tout. Bon, on va tout simplement faire ça. Et on va réussir et on se casse. Parfait. En explorant le donjon, vous croisez une silhouette ténébreuse couverte de bandages et transportant un énorme sac à dos. Voilà, tu as des dés rares, fais voir, fais voir. Je te donnerai des trésors rares rien que pour les observer. Donc là, il faut faire 16+. Montrez vos dés très très rares. Un dé de terrain. Ah bah, y a pas d'histoire là, je suis bon. Par contre, j'ai pas de dés miroirs, quoi. J'ai le seum. Est-ce que je peux lancer sans avoir tous les dés? Non, je peux pas. Ah, dégoûté. J'étais dégoûté, j'aurais pu avoir ça en fait. Ok. Et sinon, ici, comment ça se passe? Parce que... Worst case scénario, c'est quoi? Disons, je fais ça, là. Tac, tac. Worst case scénario, c'est 2. 2 et 2. Donc 4 x 3, 12, c'est pas assez. Il faut que j'ai un jet décent. Allez, on tente. Parfait. Montre-nous les reliques, mon ami. Les dévalants ne coûtent pas d'énergie. Wow, ça c'est fort. Inflige 3 dégâts à un ennemi aléatoire tous les 6 dés utilisés. Ok. On va utiliser ça. Ça a l'air pas mal, ça. J'ai eu pas mal de 1. Ils te mettent souvent dedans. Ça sera sûrement l'occasion de faire un truc sympa. Alors. Point faible. Placez les dés sur toutes ces cases pour réduire les dégâts ennemis. Ok. Le frérot là nous met 10. C'est pas mal, c'est pas mal.
Déjà, on va faire ça. Hein. Ensuite, on va faire ça. On va faire ça. Est-il 14? Et on va faire ça histoire de, en fait, et c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on veut faire. On va garder le buff de 2 dans la main. Ensuite. Deal 11. Ou bien on peut deal 12. Attendez, on a un truc là, on a un truc là. Je peux aller à 16 au max, je peux pas aller à plus que ça. Mais si, je peux aller à plus que ça, je peux faire 18. Putain, 18 de dégâts sur un dé, les gars. Les enchaînements sont terribles. Les enchaînements sont terribles. Ici on a 9 et on tue. On se heal au max. C'est pas mal. Améliorer un dé au tiers or. Ouais. Si je veux au tiers or. Un dé d'attaque, hein, je pense. Ouais, je pense que le dé d'attaque au tir or, ça va faire plaisir. Alors, l'ennemi agit avant le joueur. Ah! Ah! Les ennuis. Ok. Sachant que il fait quoi? Il fait 6, 10, 12. Ah oui, les dés qui valent 1 ne comptent pas. 6, 10. Ouais, c'est tout ce que je peux faire, c'est le maximum que je puisse faire. Bloquer 10. D'ailleurs n'était pas ultra nécessaire au final. Ok, là on est sur du plus 10. Tac, tue notre ami ici présent, garanti. Maintenant, ah oui, il y a un combo terrible là au prochain tour, les amis. Et un combo terrible. Si vous l'avez pas vu, vous allez le voir. Vous allez le voir juste après. Ça nous protège de tous les dégâts. Ouais. Alors, le combo dont je parle, c'était quoi? C'était ça. Donc on place cette case à plus 12, puis on joue la 1-1. Ah non, ça marche pas! Ça marche pas parce que ça reflète pas ce qui nous target. En fait, le comportement sur les cases qui buff, et je comprends pourquoi ils ont fait ça. En fait, si tu pouvais poser
Un dé. Comment ils appellent? Je les appelle buff, mais. Un dé de boost. Si tu pouvais poser un dé de boost et mettre un autre dé de boost dans la case boostée, bah juste tu enchaînerais les boosts comme ça et ça serait nul, quoi. Le dé prisme n'aurait pas d'importance. Donc non, en fait, c'est smart ce qu'ils ont fait. Ok. Un peu déçu, je suis un peu déçu. Déjà, le compte est bon pour notre ami. Et on va. Je peux tuer les deux, mais je préfère me heal en fait, tout simplement. Je vais juste attendre. Ouais, je vais juste attendre. Je fais ça tranquillement. Je me heal de 11. Je me repasse full life. Et ça. Mon dé qui coûte 1 coûte 0. Enfin, mon dé 1 coûte 0. J'ai l'étal et je reviens full life. Petite relique, la valeur des dés de verre augmente de 3. J'ai qu'un seul dé de verre, c'est mon heal. Je vais plutôt prendre les HP max. Alors, on a une version ex de cet ennemi. On a cet ennemi qui a agi avant nous et la mouche ex. Donc on a quoi? 4 et 3, 7 et 4, 11. Ok. On va faire ça. Est-ce qu'on peut le tuer instantanément? Oh, oui. On peut faire 10 juste ici. Et bloquer 9. Ce qui est pas nécessaire en vrai. Pas besoin de bloquer 9. Ouais, j'ai pas besoin de bloquer 9, mais bon. Ça sera fait. Ensuite, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'attaquer lui. J'ai peut-être mal joué ici en fait. Ouais, j'ai peut-être très mal joué. Ici, notre ami attaque en premier, donc ça sert à rien de bloquer. Lui il se heal juste. On va juste garder ça dans notre main. On va faire ça. On va se heal. On va pas se heal tout de suite. On va pas se heal tout de suite. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est de l'overreact. Si on n'est pas en galère, je pense qu'il vaut mieux garder notre heal, finir en se healant un bon coup, quoi. Au lieu de vouloir rusher pour rien. Ok, ça c'est très bien. Maintenant on fait ça. On attaque à 18 ici. En fait on attaque à 20. Le frérot se heal, donc ça nous va très bien. Tu es mort. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on fait ça. Le heal de 7 après notre ami. On attaque. Parfait. Et là, il se heal. On a le létal. C'est fini. Défausser un dé ou gagner un dé? Est-ce que je veux défausser quelque chose? Je veux peut-être virer un de mes dés de boost standard. Ouais. Je pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir plus de dés que ce que j'ai maintenant. Ah, un boss. Niveau 20, un boss.
Il est séparé en deux. Il y a la monture scorpion. Son scorpion peut la dresser à attaquer avec férocité et encaisser toutes les attaques. Okay. Un paladin corrompu, farouchement protégé par sa monture, il lui applique à son tour de puissants sorts défensifs. D'accord. Donc a priori, ils attaquent en premier. Par contre, enfin, ils attaquent en premier. La monture va encaisser. Je vois quelque chose. Petite ouverture. Un dé d'attaque sur cette case cible le scorpionaute. Cible le scorpionaute. D'accord. Donc il faut que je trouve le moyen de buffer cette case pour target notre ami ici présent. On va faire ça. Le dé d'attaque va toujours ici, donc. Et on se shield de 9. Sachant qu'il nous attaque pour 15, on va prendre 6. Pas de grave. Est-ce que quand on va tuer le scorpionaute, on va tuer le boss? J'espère bien. Alors. Est-ce qu'on est déjà prêt à YOLO là? Parce qu'attendez. Déjà, il nous attaque pour 10. J'ai 32 HP max, hein, on est d'accord. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça. Si je prends 10 là, si je prends 10, j'arrive à 11 HP. 11 HP, c'est bas. Hein. On va peut-être pas faire, on va peut-être pas faire les fous en fait. On va pas setup. On va juste, on va être patient un petit peu. On va attaquer. Bloc 7. Ok, maintenant on joue. Donc, la question c'est où est-ce qu'on doit se placer pour aller chercher cette case? On doit aller se placer ici. Donc, on va poser le plus 6 là. Enfin, plus 7. On va poser le prisme là. On a plus 11. On va poser notre 15 là. Et là, on prend 10 de dégâts quand même. Hein. Ce qui est assez énervé. Il nous reste 8 HP. Ok. Et là on fait ça. Ça. Est-ce qu'il y a moyen d'aller target cette case? Oui, en faisant ça. Dans ce shield de 13 au cas où, parce que je sais pas ce qui va se passer. Là, la valeur d'un dé d'attaque sur cette case est multipliée par 3. Ok. Super intéressant. Donc là, on fait ça. Bim. On dit le 24 au frérot. Ouais, on dit le 24 au frérot, c'est la meilleure chose que je puisse faire en fait. Et si, si, si. C'est pas ouf, donc
Ouais, on va faire ça plutôt. Ok. Ensuite, on va maximiser ce tour là. Faut que je sois ici. Si je me positionne là. Pas de shield. Si je me positionne là, j'ai le buff. Maintenant, si je me positionne là, je buff ça. Et si je me positionne ici, on est sur du plus 5. Et je dis le 33. Frérot, c'est heal. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Là, ce boss là, c'est chaud. Parce que j'ai juste pas ce qu'il faut en termes de shield en fait. Aussi, je suis capable de l'OS en fait. Plus 5. On va shield de 9. On va attaquer pour 9. Peut-être on va attaquer pour 13 et on va tout shield. Pas mal. Ah ouais, maintenant il attaque pour 16. Mais il faut chill là. Il faut juste chill là, mon ami. 2. Ah. Pas moyen de faire mieux que ça. 2, 4 et 1, 5. On a un bonus de 5. On tape à 11. Il manque un de dégâts. Et juste, je les ai pas. Il n'y a pas d'histoire. 8 et 7, 15. Je vais mourir. Hein. Je vais mourir. Tout simplement. Et si je fais ça. Si je fais ça, bah, si je meurs en fait. Parce que il me dit le 21 tous les deux. Donc c'est la mort les amis. Aussi je YOLO. Non je peux pas YOLO parce que de toute façon il faut utiliser cette case pour taper le cavalier. Ouais. C'est la fin. RIP. Merci d'avoir joué. La version complète sortira courant 2024. Des nouveaux personnages, plus d'ennemis, d'autres boss, plein de nouveaux types et propriétés des cartes, de donjons, blablabla. Ok. Écoutez. Ben, franchement, enfin, moi je savais, hein, j'avais déjà testé, mais. Super jeu. À l'époque, il n'y avait pas de boss fight d'ailleurs. C'était juste une game infinie. Et non, le gameplay est super intéressant. Le fait de ne pas uniquement avoir un jeu, il y a pas mal de deck builder avec des dés ces temps-ci. Généralement, on se base uniquement sur le lancer de dés et l'introduction. Du plateau de jeu et les interactions qui sont apportées entre justement les différents dés qui ont eux-mêmes des capacités particulières et le plateau de jeu, les différents modifiers qui sont apportés par les dés et par les ennemis au plateau de jeu rend vraiment l'ensemble super intéressant. Je pense que déjà là on voit juste la base quoi, on voit un biome, un certain set d'ennemis, mais c'est déjà super intéressant. Il y a de quoi relancer des games. J'ai même pas testé tous les types de dés. Je crois qu'il me manque
Il y a deux types de dés qu'on a vu dans la run que j'ai pas testé. Donc, non, super jeu. Je vous encourage à aller tester vous-même. Hein. La démo est disponible sur Steam, c'est gratuit. Vous pouvez wishlist le jeu. C'est un jeu à garder à l'œil. Dying the Dungeon. Voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent bientôt. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace!